Depuis 6 ans à Marseille, la société Agile en Ville livre des artisans et commerçants en produits alimentaires frais. 30 coursiers livreurs transportent 320 tonnes de marchandises chaque mois. Remplacer une camionnette thermique par un vélo cargo, ça divise par 10 à peu près les émissions de CO2. C'est aussi bon pour l'emploi, puisque chez Agile en Ville, tous les livreurs sont salariés. Donc on a 60 livreurs salariés en CDI, recrutés via des structures d'insertion. Son voisin du cours Lyoto transporte, lui, des déchets à vélo. Il fait visiter son entreprise aujourd'hui dans le cadre du forum de la cyclo-logistique. À peu près 50% des volumes du centre-ville des déchets de Marseille, ce sont les commerces de proximité. Et donc l'objectif, c'est de leur apporter le meilleur service pour venir les collecter en porte-à-porte et assurer la collecte et la valorisation de ces gisements. Notre système permet d'avoir un système qui est moins cher. On est à peu près à 5 centimes le litre. On va créer plus d'emplois et on va être plus écologique. Selon lui, 25% du trafic le matin à Marseille est généré par des camionnettes de transport logistique. Alors le forum veut convaincre les acteurs économiques d'avoir recours au vélo cargo. Montrer aux transporteurs et à tout l'univers de la logistique, les vélos cargo peuvent transporter des volumes plutôt conséquents, plutôt dans les remorques. Si on veut aller rapidement, on va plus se concentrer sur les biporteurs, donc les vélos avec la caisse à l'avant. Globalement, un vélo cargo, ça part à partir de 6 000 euros, ça peut monter jusqu'à 10 000 euros selon les équipements, etc. Donc aller moyennement sur 8 000 euros, il peut se faire financer 5 500 euros. Par la région, la métropole et l'État. L'association Les Boîtes à Vélo prête gratuitement des vélos cargo aux professionnels du centre-ville pour les essayer avant de les adopter.